ce soir, dans le cadre d'une dernière réunion de campagne pour ces élections municipales du 23 mars 2014, avec la liste Limoux pour tous que j'ai l'honneur de conduire, et un seul mot d'ordre, de l'ambition pour ce territoire du Limouxen, pour cette ville de Limoux, c'est un autre leitmotiv. Ce bilan, nous communistes, en sommes aussi garants. Nous y avions pris notre part, tout en conservant notre identité et en exposant nos divergences lorsqu'elles existent avec nos partenaires sur les questions d'ordre national. Il y a des communes qui n'ont pas pris cette dimension, que ce soit dans le département de l'Aube, mais que ce soit dans d'autres départements. Ici, l'invitation de l'intercommunalité dans les élections municipales ont pris une véritable dimension. Et je dirais que grâce à Jean-Paul Dupré, et je salue d'ailleurs la présence de nos... Je fais un vœu, j'ai un souhait, c'est que vous me fassiez tous, ouais, un cadeau. Voilà, je vous demande de me faire un cadeau. Alors ça va pas vous coûter très cher, ne vous inquiétez pas. Ce cadeau, c'est que le 23 mars, sauf que, comme j'ai tout ça à faire avant, ben je vais arriver tard. Et je risque d'arriver après minuit. Donc je vous demande de faire la fête jusqu'à après minuit, parce que je vous demande d'élire dès le premier tour Jean-Paul Dupré, parce que mon cadeau, ça serait de boire une coupe de bulle fraîche avec vous. Donc, votez Jean-Paul Dupré. Ils vont trouver, je n'en doute pas, leur conclusion pour tenir parole vis-à-vis de notre ami Arnaud Viola dimanche 23 mars prochain, c'est-à-dire dans à peine 3 jours. Nous te ferons ce cadeau, André. Merci.